Allez, bonjour à tous, c'est Mister 66. On se retrouve pour un nouvel épisode de Comment bien débuter sur Feed the Beast. Aujourd'hui, ça faisait un tout petit peu de temps que j'ai pas tourné de vidéo, puisque ces derniers temps j'ai eu pas mal de boulot pour mes études, et également j'ai dû suivre des cours pour la conduite moto-école, enfin auto-école. Pour voilà, apprendre à conduire. Donc la dernière fois on s'était laissé sur le début du craft MFSU. Et on va le finir aujourd'hui. Sauf que je voudrais juste vous montrer quelques trucs avant. Donc j'ai préparé tout ça. Ce sera une salle des coffres automatique. Sauf que ma quarry ne marche plus. Elle ne tourne plus. Je comprends pas pourquoi. Bon, il y a tout ça, c'est tout ce que j'ai pas encore récupéré. Et j'ai aussi arrêté ça parce que j'ai assez de bois pour l'instant. Mais voilà. Également, on est toujours en Direwolf. Et il faudra bientôt que je passe en Ultimate. C'est le pack qui vient de sortir. Et je suis un peu à la masse. Et il y a certains trucs que je n'ai pas encore tout. J'ai pas encore tout compris. Les trucs du nouveau pack Ultimate. Donc je vais essayer de passer pour la prochaine fois. Je vous garantis pas de tout savoir. Mais je vais essayer de m'informer, etc. Donc je vais quand même le faire. J'ai aussi un peu trié un tout petit peu plus mes coffres parce qu'il devient un tout petit peu plein quand même. Surtout avec la redstone ici. Hop, voilà, vous voyez quoi. Donc, reprenons où nous en étions. MFSU, hop, voilà. Tac, donc il nous fallait tout ça. Je crois qu'on avait tout crafté. Alors, les 6, la potron. Hop, hop, hop. Il nous faut le MP Transformer pour le placer. Tac, l'électronique circuit, LMFE. Alors, le MFE. Pourquoi ça s'est mis comme ça? Et un Advanced Electronic Circuit. Voilà, on a tout. Parfait. Alors, les scies, la potron. Vide, hein, c'est égal. Comme vous voulez. Ça ne change rien, il me semble. Bien sûr, je crois que j'ai oublié le truc. Voilà, l'Advanced Magic Block. Bien sûr que j'ai toujours pas crafté. Hop. Ah oui, voilà, c'est pour ça. Donc j'ai fait pas mal de carbon plate et d'advanced alloy pour pouvoir le faire. Et il me faut le machine block si je dis pas de bêtises. Voilà, donc j'ai pris un peu de réserve, j'ai un peu avancé, pas beaucoup hein, vous voyez, mais aussi j'ai aussi fait évoluer mes panneaux solaires. Attendez que je dis pas de bêtises. En Advanced, pas de solaire. Enfin, j'ai fait l'évolution de ce qu'on avait la dernière fois. J'en ai fait que un pour l'instant. Voilà, notre MFU. Donc, attendez, je regarde, je vous montre ça. Donc, j'ai fait le Medium Voltage Solar. Donc, je l'ai mis sur ma quarry. Sauf que bah, il marche, elle tourne plus. Même si mon MFE qui est en haut, il est complètement plein. Je comprends pas. Donc, et par contre, à la salle des machines, j'ai encore. Enfin, à l'endroit des machines, j'en ai encore 3 comme ça. Plus un à la quarry. Donc, je pourrais bientôt en faire un deuxième comme ça. Et le high voltage, bah, il faudrait que je le fasse par la suite. Voilà, donc on peut retourner aux machines, je crois que c'est ce livre-là. Voilà. Machine, il fait nuit, ça va pas m'être utile. Hop. Donc vous voyez ici, j'en ai mis 3, je crois que j'avais pas changé. J'ai mon électrique, est-ce que je vais recharger avant de pouvoir commencer à faire ce que je dois. Ah bah voilà, c'est déjà prêt. Ok. Alors. Il faut qu'on bah, qu'on déplace nos panneaux solaires. Hop, hop, hop. Est-ce que j'ai des fibres? Oui, j'en ai encore. Voilà, comme ceci. Alors, si je réfléchis bien. Alors, le générateur, il est là. Bon, il est presque plus utile. Je vais même pouvoir l'enlever. Hop, je l'enlève. Tac. Et tac, on prend notre MV Transformer, un peu de bloc
pour faire une petite base de terre en sang. Fiche, ça n'importe très peu. Voilà. On va aussi enlever tout ce qu'il y a là. Hop. Ah, ouais, c'est sûr que c'était à prévoir. Et donc j'ai aussi 39 niveaux, je pourrais bientôt m'enchanter un truc. Donc j'ai toujours normalement mes watermelons qui devraient marcher, je suis pas sûr, hein, mais ça sert presque plus à rien. Bon, pourquoi pas les laisser, hein, c'est pas non plus très gênant, vous voyez où ils sont, je sais pas s'ils marchent encore. Bon. C'est pas bien grave, ouais, normalement ils auraient toujours marché, je suis pas sûr. Donc, celui-là, donc le MFE, donc... ce qui sort du MFSU, c'est du 500 EU partic et le MFE peut prendre que du 128. Comme ici, la bad box 32 et les machines peuvent prendre que 32. Donc, pour passer du MFE aux machines, il faut vous mettre un élevé transformer, mais pas spécialement mettre la bad box, c'est juste pour avoir un petit stockage en plus qui sera plus utile après, puisque 4000, je crois que c'est 4000, ouais, 40 000, ça sert à rien. Mais bon, c'est toujours ça, c'est pas bien grave. Donc ici, on peut déjà aussi enlever ce qu'il y a là-dessous parce qu'il sert à rien celui-là. On va reboucher tout ceci. Ouais bon allez, watermal, je sais pas grave, je vais les mettre, je les mettrai plus quoi. C'est pas peut-être un endroit où j'ai pas beaucoup besoin d'énergie. C'est pas super important. Voilà. Donc notre MFE, il doit prendre du 128. Donc passer du 128 du 512 au 128, il nous faut mettre un HV transformer. Donc ça c'est l'entrée du 512, c'est ça toutes les sorties qui sortent en 128. Donc vous pouvez mettre ça, normalement ça devrait pas exploser, je l'espère. Maintenant j'ai juste un doute. Ouais, donc l'endroit où il y a le petit point, c'est la sortie. Bon, on va le coller directement comme ça. Bien sûr, ça il se met pas droit. Hop. On va se mettre comme ça. Hop. Voilà, normalement c'est tout bon. Bon, il est pas chargé. Et toutes les entrées sont à côté. Donc on va pouvoir faire un truc sous terre. Tac. Ouais, bon. C'est pas bien grave si ça sort un tout petit peu. Hop, pour l'instant on va laisser ça comme ça. On va en mettre un là. On va les mettre les trois autour de lui. Enfin toi, je sais pas pourquoi je mets des câbles en dessous. Je suis même pas obligé en fait. Je peux directement mettre les trois comme ça puisqu'ils collent. Donc il fait nuit. On va aller vite fait dormir. C'est longtemps que j'étais pas remonté là-haut. Aussi, donc je vais me refaire donc un monde d'Ensor pour pouvoir m'en faire une quarry. Donc je vais pas spécialement vous montrer ça. Hop, un petit zombie en armure. Voilà, avec le sabre, ça passe bien. Un petit trou que j'avais continué pour continuer mes chemins, mais c'est pas bien important. Allez, on dort. Donc ouais, je sais qu'il y a toutes les updates, donc il faut que je les fasse, hein. Vraiment. Voilà, excusez-moi, mon jeu a planté. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, donc il fallait que je fasse l'update, bon c'est pas bien important. Mais voilà. Alors maintenant, donc vous voyez que les coffres, ça se remplit vraiment rapidement. Donc on va se faire des sortes de boîtes de stockage d'items, pas d'énergie, mais des... Donc c'est des barrels. Donc c'est pas bien dur à faire. On va en faire quand même pas mal. Si j'ai du bois, j'en ai. Toc toc toc, on va prendre celui-là, on va prendre 23, ça devrait suffire. Je crois que c'est des planches, j'espère que c'est des planches. Ouais, normalement c'est bon. Hop. Alors, tac 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 tac. Pour l'instant, on va prendre tout ça. On va faire... Allez, comme ça, 24, ça va suffire. Enfin, j'avais pas beaucoup de dalles, hein. En fait, on y repense. Hop, 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 hop.
J'en aurai qu'à 4. Ok, c'est pas comme ça. Donc ça va être avec ça. Voilà. Donc ça, c'est des bûches brutes. Bon, ça coûte à pas mal quand même de ressources. Mais c'est pas grave. Alors, nos barrels, j'avais dit que j'allais les mettre ici. Donc voilà. Empty. Vous voyez, clic droite, ça m'écrit empty. Empty, c'est-à-dire vide, pour ceux qui ne savent pas. Donc on va prendre déjà tout un maximum de stack de redstone, juste pour vous montrer comment ça marche. Donc vous faites un clic droit dessus, c'est écrit 64. Ça prend vos 64 stacks dessus. Si vous cliquez, c'est écrit 2 fois 64 stacks, c'est-à-dire qu'il y a, enfin, il y a deux fois, enfin non, il y a 2 fois 64, donc 2 stacks. Ainsi de suite, 3 fois, 4 fois, enfin je vais tous les mettre. Tac. Et donc c'est un stockage de. On peut mettre jusqu'à 64 fois 64. Je sais pas combien ça fait. Mais après en plus avec les extra dimensional upgrade. On peut arriver jusqu'à je crois 1028 stack, donc c'est vraiment énorme quoi. C'est pour vraiment ça, dès qu'on a la dose de quarry qui tourne et tout, ça c'est vraiment abusé. Donc après avec un endroit vide, donc enfin clic droite, ça vous écrit le nombre de redstone que vous avez. Donc j'en ai 896, 896 pour les Français. Et je fais un clic gauche, ça me donne un stack de stack. Voilà, donc ici vous pouvez les remettre comme vous voulez. Voilà, et j'ai de nouveau mes 836. Donc je vais en faire plusieurs pour la prochaine fois. Je vais presque tout trier. Tout ce qui est diamant, lapis, enfin tout ce que j'ai beaucoup, quoi. Aussi cobble, je pense que je vais mettre. Mais la cobble, ça va nous servir pour plus tard. Maintenant, on peut commencer notre salle des coffres automatique. Je crois que j'arrive à résoudre le problème de ma quarry. Donc j'avais préparé pour ça, il nous faut. Bah chaque machine, un électrophorus, un macérateur, un compresseur, l'extracteur, je vais le faire ailleurs, un truc énorme électrique. Je suis en fait genre juste à côté ici, donc ça tire de ce coffre et ça me ressort directement des rubber. Mais là c'est juste pour les minerais. Donc bon, c'est assez long à expliquer, donc je sais pas si j'arriverai à le faire tout d'une fois, mais je vais peut-être commencer. Il me faut aussi des hoppers. Des hoppers. Ok, je crois que j'avais préparé ça. Tac, 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 tac. Non. Alors, ça, je crois que j'en ai. Non, c'est des iron. Bon, c'est pas bien grave pour l'instant. Il nous faut aussi tout ce qui est des transportables. Tac. Et tac, pour l'instant, c'est pas trop grave. Hop, voilà. Et des wooden. Donc, ici. Donc c'est notre endroit qui nous donne, qui nous sort l'énergie. Donc on, j'ai mis un MFE avec un panneau solaire en haut. Je crois qu'en fait j'en ai aussi mis un hein, là. Je suis plus sûr, je suis pas très sûr. Bon, c'est un panneau solaire normal. Je sais pas si vous voyez grand chose en fait. Pourtant il y a genre 3-4 torches ici. Bon, normalement ça devrait être bon. Donc avec le, je vais peut-être mettre un effet sur même. Avec un élevé transformer pour la transformer en 32. 32 EU partic. Donc je vais enlever ça juste pour y déplacer un tout petit peu. Je vais y mettre, tac, je vais vraiment être tout au fond parce qu'il nous faut pas mal de place, même j'y agrandirai peut-être encore par la suite. Bon, faut pas que je mette aussi n'importe quoi, parce que ça coûte cher. Ces trucs, voilà, c'est les fibres de verre, ça coûte super cher. Mais alors vraiment super cher. Voilà, donc ici je peux remettre mon MFE avec sortie dessous pour pouvoir coller directement hop mon MFE transformer comme ceci. Voilà, et normalement c'est tout bon. Par contre, il aura plus d'énergie. Voilà, il doit se recharger. J'aurais peut-être pas dû le faire, mais c'est pas bon, c'est pas grave ça non plus. Voilà, donc il nous faut qu'on attends, en fait attendez, on va faire un truc plus simple.
qui prendra moins de place, c'est pas grave, ça sera tout sous terre. Et il faut qu'on fournisse en énergie toutes les machines, on va dur. Donc tous les on va mettre une un peu à chaque on va mettre une ici qui sera non peut-être pas ici. Il faut que je la mette genre juste en dessus. Hop, donc le compresseur ici. Peut-être j'y bougerai parce que par rapport à la disposition, c'est peut-être différent. Je sais pas. Je verrai bien. C'est un peu. J'ai pas tout calculé là. Hop. 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 Je mets mon. Quoi? Je fais deux compresseurs. Ah non, c'est mon massateur ça. J'ai eu peur. Hop, et puis on va mettre l'électronique qui fournisse par ici. On va le mettre. Bon, on va le mettre ici. Voilà. Donc normalement ils sont tous fournis en énergie. Ensuite, il nous faudra des hoppers. Donc ceci se fera, je pense, dans le prochain épisode. Et aussi, je crois que je vais montrer que j'avais ma nanosuite complète qui me sert un tout petit peu à courir un tout petit peu plus vite et à pas prendre de choc, tout ce qui est tout des chocs. Énergie que je recharge après. Donc la prochaine fois on avancera dans notre salle de coffre automatique. J'aurai normalement fait la quarry, avancé la quarry, fait une bonne quarry et une vraie qui marche. Et on pourra voir que tout ce qu'elle prend pourra être trié directement et rangé dans ces coffres ici. Aussi, on peut déjà mettre ceci par ici. Hop, donc c'est tout des trieurs ça. Donc il y aura les items cuits qui vont arriver par ici et ensuite il faudra tout que je trie. C'est mieux de faire comme ça, sinon si vous mettez un stone qui passe ici, vous pourrez pas fournir celui-là. Donc il faut, vous êtes obligé de mettre des diamants et ensuite à tout régler pour que par exemple dans le bleu et que les diamants qui passent dans l'autre bleu ici, il faut qu'il y ait que de la redstone qui passe, etc. etc. Donc c'est assez galère, donc je pense que je vais peut-être aussi faire. J'en ferai aussi, enfin, prochaine fois en avance. Mais je pense que je la finirai entre deux épisodes, donc en hors vidéo. Je crois qu'on a tout vu, donc on a vu comment on peut utiliser un effet sûr du reste. Hop, on va juste prendre le livre. On va juste voir si il s'est rempli. Bon, c'est vraiment énorme comme. Ouais, voilà. Vous voyez, bon, il y a que 260 000. C'est déjà plus. Ah non, lui il en a 600 000. Mais ensuite à la fin, on arrive à 10 millions. Donc c'est vraiment énorme. Et avec le pack Ultimate, on pourra même encore aller plus gros que le MFSU. Deux fois plus gros que le MFSU. Donc ça sera vraiment énorme. Juste un petit coup d'œil ici. Il y a encore le mus, il y a encore tout ce qu'il faut. C'est tout bon. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vous invite à aller liker ma page Facebook et ma page Twitter. Enfin mon compte Twitter. Donc les liens sont dans la description. Et mettez un petit j'aime sur la vidéo. Et merci d'avoir regardé. Jusqu'ici. En tout cas, j'espère que ça vous a été utile. Et je vous dis à la prochaine pour l'épisode 15. Allez, à plus. Bye bye.